Bonjour à tous, Kay Diabaté pour un nouvel épisode de Road to Olympics. Aujourd'hui, on est le 27 mars et on rentre à Paris. Bon, le problème qu'on a, c'est que il n'y a pas de problème. On mange et on part. Ciao. Thanks, bye bye. Apologies in advance. Jealousy ensues, but I choose to understand. I sip slow, think slower. And I've been like, nigga, we made it. Ouais, on vient d'arriver là. Enfin arrivé à l'aéroport. Et là, on doit juste attendre que... On doit juste attendre pour poser notre bagage et puis monter à bord de l'avion, passer contrôle, tout ça, tout ça. Autofocus, merci. Et voilà. On a fait le plus dur, on est à l'aéroport, donc on sait qu'on va partir. C'est cool. J'ai jamais raté un avion encore, et j'espère que ça va jamais arriver. Back when I had plans to be at home, going for a change for the quarter waters. When I was naive. Les avions, on attend juste que ça se vide un petit peu là-bas. Là. Et ensuite, on va aller prendre un siège, si possible deux sièges, ça va bien. Un peu d'espace, tout ça. Le confort. Ladies and gentlemen, for your safety on this flight, I will now remind you of the rules to be followed. Be the best we. All I wanna do is be the best we. Là, on a quelques matériels à acheter. Vu qu'il n'y a pas de magasin d'escrime à Bordeaux où j'habite, je suis obligé d'acheter ça maintenant. Donc on en profite. Those days when I used to bump day and night. Sky said I was on my own. Since then I've been on my own. Nah nigga, I ain't never had a motherfucking handout. A bunch of mistakes in my past, trying to stick to a plan route. But that's life, my nigga, sometimes shit just don't pan out. No, lately I've been trying to bite my tongue. Dog, I've been in a fight so long, so long, so long. Bon voilà, on a fait les courses, tout est dans le sec juste ici. Il va falloir rentrer à la maison et puis c'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc, on s'arrête à Bondy. Demain, on rentrera à Bordeaux, enfin, après trop de temps en dehors du pays. Enfin, on rentre. On a acheté une échelle de rythme dont on va vous montrer l'utilisation juste là, qui va permettre de travailler sur les appuis. Boum! Ça c'est mon petit frère, check ça. Donc ça en fait c'est le foam roller qu'on vient d'acheter, qu'on vient de déballer. En fait à quoi ça sert, c'est simple. On le cale et on se fait un automassage. Donc voilà, ça permet vraiment de relâcher les muscles de façon seule. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut le faire avec toutes les parties du corps sans aide extérieure. Donc ça permet vraiment de pouvoir se faire un petit massage tout seul et ça peut être une bonne addition en plus des étirements. Je vais essayer, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça si ça vous intéresse d'en avoir un, vous pouvez aussi en choper un. Hey, Kelly Diabaté, j'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu court encore une fois. J'étais chez mon père, là j'étais sur la petite vidéo, faut que je me prépare à partir à 5h du matin chez moi à Bordeaux, enfin après presque 3 mois bientôt d'absence, je suis enfin rentré chez moi. Vous voyez mes yeux, ils ont l'air zombimatiques. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas que vos limites aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Your today's limits are meant to be broken tomorrow. Moi en tout cas je vais m'étirer juste après ça. Je vous souhaite une excellente journée et dépassez vos limites, dépassez-vous.